Après toutes ces années, toutes ces décennies, tous ces passés, nous, la race humaine, nous sommes cette race humaine. Qu'avons-nous appris? Qu'avons-nous appris de la vie? Qu'avons-nous appris pour sortir du bourbier dans lequel génération après génération on se met dedans et on stagne dans les marasmes? Tout ce que nous avons convoité pour pouvoir être mieux, pour pouvoir être libre, pour pouvoir être en paix, qu'avons-nous appris? Qu'avons-nous appris de la vie que nous avons fabriquée pour, soi-disant, être en paix, être bien? Il y a quelque chose que nous avons retiré de tout ça, c'est que on ne retire jamais rien. Tout ce qu'on va vouloir faire exister sera l'issue d'une continuation de tout ce qui se fait. Et tout se répète depuis des milliers d'années comme ça. Ne vaudrait-il pas peine de s'arrêter, prendre la peine, prendre l'opportunité de s'arrêter pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue vraiment autour de nous, en soi. Où en sommes-nous maintenant? Allons-nous dans une bonne direction? Sommes-nous capables de nous rediriger? Sommes-nous capables d'arrêter de faire ce que nous faisons maintenant pour pouvoir aller dans une autre direction? La direction, elle a toujours été donnée de la même manière. Depuis des générations, nous sommes fixés le compas pour aller là. La réussite. Gagner, 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 gagner. Et ne jamais manquer, toujours être assouvi, toujours plus et plus et plus. C'est la direction que nous avons prise. Et chacun d'entre nous en sommes responsables de ça. Il n'y a pas un plus que l'autre. Nous avons tous baigné dans cette atmosphère qu'il fallait gagner, qu'il fallait réussir, qu'il fallait être le plus fort. Mais qu'avons-nous aujourd'hui, après toutes ces décennies de batailles, d'ambitions pour pouvoir aller où il y aura quelque chose à prendre? Où en est-on? Qu'est-ce qu'on a pris? En fait, tu peux savoir, la plupart d'entre nous, si on est assez honnête avec nous-mêmes, c'est qu'on n'a rien. On n'a rien gagné de toute cette bataille. On a gagné plus de larmes, plus de problèmes, plus de disputes, plus d'idéal, plus de controverses entre nous les hommes. Parce que chacun regarde midi à sa porte. Chacun veut acquérir ce qu'il croit être le Graal de sa vie. Et nous avons poursuivi ça depuis très longtemps maintenant. Et il s'agit de voir, là maintenant, en ce moment où on parle ensemble, de réfléchir pour voir si c'est utile de continuer comme ça. Est-ce que le monde ne pourrait pas
être autre chose si chacun d'entre nous on réagit différemment à cette escapade, cet envolé vers le plus, 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 jamais assez, jamais être satisfait. Est-ce qu'on est capable de regarder cela, s'arrêter, pour voir que tout ça, c'est un cercle vicieux sans fin, où on s'embourbe, tout un chacun, dans un petit monde que l'on a fait à soi, où on se croit, on croit qu'il y aura de la sécurité. Mais en fait, la sécurité que tu cherches n'est pas là. Certes, on a besoin de sécurité dans le sens où il faut manger, dormir, se vêtir, avoir un toit pour se loger. C'est une sécurité. Mais c'est une sécurité qui on a tous besoin et on devrait tous l'avoir. Tout un chacun, sans exception. Mais il semblerait la façon dont nous avons nous nous sommes assis sur cette sécurité fait que en fait que cela crée de l'insécurité. Parce que tout le monde veut accéder à cette sécurité. Et dans cette sécurité, on se défend de ceux qui veulent aussi cette sécurité. Parce que il y a de la ségrégation. Parce qu'il y en a qui n'en ont pas, et tout le monde veut cette sécurité. Elle devrait être permise à tout le monde d'y accéder. De quoi manger, de quoi se vêtir, et de quoi se donner en partage. Mais nous ne faisons pas ça. Il me semble que nous sommes occupés à engranger toute cette sécurité et la mettre, en faire une montagne pour soi, au cas où il y aurait un manque, parce qu'on a peur de l'insécurité. On a peur de tout. On a peur que quelque chose arrive à notre joli destin que nous avons imaginé, l'idéal que nous avons fait. Nous ne voulons pas que ça s'arrête. Donc nous faisons tout pour le sécuriser. Et le sécuriser de cette manière crée justement de l'insécurité. Parce que rien n'existe pour de vrai, pour toujours. Tout est éphémère. Rien ne se garde. Tu peux voir que si tu t'attaches à tes idées, tes conclusions, tes croyances, eh bien, tout change. Je ne sais pas si tu as remarqué. Aujourd'hui, tu crois, mais demain, tu ne crois plus parce qu'il y a des choses qui ont été... La vie a été... t'a éclairé et tu as vu la réalité des choses et tu n'as plus besoin de croire. Quand tu es petit, on te dit, tu sais, une grande girafe, ça existe. Si tu n'as jamais vu une girafe, ben, tu vas croire. Mais le jour où tu as vu la girafe, ben, tu n'as plus besoin de croire, tu sais. Et je crois que nous les humains, on a besoin d'étendre notre vision dans les faits, dans ce qui est vrai, dans ce qui est palpable. Parce que si nous ne faisons pas ça, alors ce sera de l'imagination qu'on a. Et l'imagination ne fait pas la réalité. L'imagination te donne une illusion de ce que la réalité elle est, parce que tu ne la vois pas. Donc, il faut que tu arrives à regarder les choses telles qu'elles sont, sans spéculer sur les choses, sans vouloir que les choses soient de telle ou telle manière, comme tu aimerais toi. Et c'est ça, l'art, d'être libre de tout ce que tu peux te raconter. Parce que quand on se raconte des choses, on devient dépendant de ces choses qu'on se raconte. Et ça devient nos croyances, nos envies, nos désirs.
et on les poursuit, on court vers pour attraper le gain que le désir nous donne. Et quand on court comme ça pour attraper le désir, ben on est dépendant, on en est esclave de ce désir. Est-ce qu'il y a lieu d'être esclave de son propre désir, dépendant de ce qui va y avoir? Parce que si tu es dépendant de ce qui va y avoir, alors tu attendras toujours. Tu ne vivras pas avec ce qu'il y a, avec ce qui existe, avec les faits, parce que tu veux quelque chose qui ressemble à ce que tu aimerais. Et tout ça n'existe pas. C'est ce qu'on invente, ce qu'on se raconte, pour se sentir bien, en sécurité, dans une petite bulle de confort que l'on a fabriquée, avec autour des limites imaginaires, bien sûr, mais des limites de nos idéaux, de nos peurs, de nos angoisses. Et on ne veut pas dépasser tout ça, on ne veut pas sortir de ça. Et cette angoisse d'aller au-delà de ce qu'on sait nous empêche d'avoir une perception élargie pour voir plus loin que ce qu'on connaît. Ce qu'on connaît est limité à nos petites habitudes, nos petits train-trains. Mais ce que tu ne connais pas, il faut que tu abandonnes ce que tu connais pour pouvoir accueillir ce qu'il y a. Et ce qu'il y a se dévoile seulement quand tu es vide, quand tu es prêt, quand tu accueilles, quand tu n'es pas rempli de tout ce que tu penses être, de toutes tes idées, de toutes tes histoires, de toutes tes imaginations, tout ça. Il faut que tu abandonnes tout ça. Parce qu'en abandonnant tout ça, alors, il y a un vide. L'esprit n'est plus ankylosé avec plein de choses. L'esprit est en paix. L'esprit ne s'active pas avec des histoires. Il reste là, il est en paix. Et quand il est en paix, l'esprit en paix comme ça, ben il a cette capacité d'avoir cette perception. Parce qu'il est à ce moment-là libre. Libre pour voir, libre pour percevoir ce qu'il ne connaît pas. Et s'aventurer comme ça, en dehors de ces sentiers battus, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Parce que tout ce que tu découvriras va t'émerveiller. Alors que quand tu es dans tes habitudes et tes train-trains, tout se répète. Et pourtant, tu te sens en sécurité. Et paradoxalement, tu n'es pas en sécurité. La vraie sécurité, c'est quand tu n'as plus besoin de rien. Alors tu es en sécurité. Mais tant que tu auras besoin de quelque chose pour être heureux, eh ben, tu seras embêté parce qu'il y aura plein de choses qui arriveront que tu ne puisses pas les avoir. Donc tu seras dans l'attente, la demande, la frustration. Donc, il est crucial à mon sens d'être libre de tout ce qu'on peut penser sur ce qu'on aurait aimé être ou ce qu'on aurait aimé vivre, mais de vivre avec ce qu'il y a. Et quand tu es comme ça, quand tu vis avec ce qu'il y a, avec les faits, avec la réalité des choses, alors tu expériences une ouverture vers ce qui est grand. Autrement, tout est rikiki, tout est petit, tout est mon petit monde, ma petite bulle, ma voiture, mon argent, mes affaires, mes enfants, mon pays, tu vois. Et tout ça, ça fait un petit univers, tout petit univers, dans lequel tu es frustré parce que tu ne connais pas c'est quoi la liberté. Et tu es tout le temps dans un mouvement en effervescence. En toi, il y a quelque chose qui te dit « Mais qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ça ?» Parce que tu vis reclus dans ton petit monde, tu es isolé, tu n'es pas en contact avec tout ce qui existe.
Et tout ce qui existe, c'est l'éternité. Tout existe dans l'éternité. Mais dans ce que tu es, dans ce que tu te fais de toi, dans ce que tu te racontes, il n'y a que ce que tu penses qui existe. Et ce que tu penses, c'est une illusion. Donc tu ne peux pas garder ce que tu aimerais avoir pour vivre cette vie. Par contre, si tu ne peux pas garder et que tu laisses derrière toi, tu abandonnes, tu renonces à la vie que tu aimerais, alors la vie que tu auras, elle sera parfumée de joie, de bonheur et d'instants extraordinaires. Ce n'est pas une promesse. Il faut que tu le trouves pour toi-même. Il ne faut pas que tu acquiesces ça et en fais une conception que ce sera comme ça. Il faut que tu le vives. Vis-le pour le savoir. Et là, personne ne pourra te dire ce que la vie devrait être.